Yo Ranaizam, j'espère que vous allez bien, bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un vlog assez spécial parce qu'en fait là il est actuellement 18h30. Là je vais emmener mon petit frère découvrir le vieux lion. On a réservé ce soir dans un bouchon lyonnais pour découvrir en fait les spécialités de cette magnifique ville qui est je pense magnifique. Ouais. Oula, j'ai répété deux fois. Voilà. Mais avant, étant donné que notre rendez-vous est à 20h30, je vais lui faire découvrir un coin plutôt sympa. Un coin où il y a de la boisson. Il est en train de se préparer. Moi, je suis prêt. Et puis, c'est parti. Let's go. Alors, soit on va à pied jusqu'au Vieux Lion, ouais. Ou soit on va à métro, sachant que ces métros s'arrêtent au Vieux Lion. Et là, on est à Perrache, donc du coup, tu veux faire quoi? On va marcher, non? Allez, on va marcher. On va faire un peu de marche, les amis. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it. With it, flow with it, let it all go. Les amis, là je vais faire montrer à mon petit frère la rue que ma petite soeur prenait tous les jours pour aller à l'école. Elle prend un escalier juste énorme. Vous voyez là, il faut prendre les petites rues. T'as vu ça? Soit ouais. On peut passer par là, ou soit on passe par là pour emmener directement. Tu peux monter? Hein? Il y a les escaliers là-bas. Oui, c'est ça. Mais c'est haut, hein. You know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet. T'as été sonnine? C'est haut, hein. Elle était forte, cette Mitty, hein. Elle faisait du sport. Elle a l'école. Ouais. Ça va tout en haut. Alors les amis, petite anecdote. Tous les soirs, je faisais ces escaliers-là pour m'entraîner. Pour le taekwondo, là, je faisais des montées de genoux, arriver en haut. Je m'étirais un peu. Franchement, ça vaut le coup. Et ensuite, je rentrais à la maison jusqu'à Bellecour. Non, jusqu'à la Guillotière. Et là, j'ai fait mon entraînement, je vais vous dire, là. Montée du... Courquillon. Courquillon. Et la montée des épis. On a fait tout ça. L'école de Hemti, c'est tout en haut. Et nous, on va redescendre par là. Et je m'étirais sur ces barres-là, Tsunen. Je mettais mes pieds là. Comme ça. Ce qui est bien, Tsunen, c'est que je présente la ville de Lyon à toi. Ouais. Et aux personnes qui regardent aussi. Comme ça, visite ensemble. Voilà, ça fait une petite visite de Lyon. Bienvenue dans le Vieux Lyon, les amis. C'est à cet endroit-là, en fait, qu'ils font des projections des jets de lumière sur tout le bâtiment et sur les quatre façades aux alentours pendant la fête des lumières, des choses magnifiques. En fait, là, je passais tous les jours pour aller à l'école parce qu'il y a le métro juste là-bas. Et ici, j'avais fait sonner mon premier shooting photo à l'intérieur. Super, merci beaucoup. Alors, c'est fort. C'est fort? Ouais. Bon sang. Vas-y, goûte. Moi, c'est vrai, hein. On sent bien l'alcool. C'est toujours ouais, mon frère. C'est toujours mon frère qui a l'alcool fort. Alors? Ouais, il est fort. À chaque fois, c'est toi. Ouais.
La dernière fois, elle avait pris une margarita. C'est hyper puissant. Et moi, bah, ça va. C'est le même prix, non? On passe à l'apéritif. Ouais. En fait, on attend l'heure pour aller manger. C'est à quelle heure on doit aller? À 20h30. Ouais, et là, il est 19h40. Donc, du coup, on a le temps de déguster un petit martini. Dans le reste, c'est la bière. Ouais, il y a de la bière. En fait, il y a la bière et du vin. Comme je bois pas de bière, du coup, on a pris ça. Peut-être qu'on va passer au vin après. Ouais, plutôt après. Non, il doit être bon le verre de vin. À voir, les amis. Ah, il y a la bière, il y a la manie, il y a le fiston. Où ça? Ça, c'est le fiston. Ah oui, là, c'est le fiston. Et nous, on va où? Chez la mamie. Chez la mamie. Là, les amis, on va aller manger chez la grand-mère. Chez la grand-mère. Chez ma grand-mère. Ça, exactement, c'est un petit bistrot lyonnais. Plutôt sympa. Voilà. Chez grand-mère. Oh, je crois qu'il y a notre table là-bas. En fait, les amis, on ne sait pas s'il faut aller maintenant parce qu'en fait, c'est à 8h30. Et là, il est 8h15. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de tables. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 tables dedans. C'est ah tout petit. Ouais. Ouais. Heureusement qu'on a réservé alors. C'est ça. Donc, du coup, on hésite à venir ou pas. On ne sait pas trop. Je sais pas. Non, mais d'abord, on va se découvrir un peu les gens. Ouais. Mais ouais, ok. Bon, allez, on y va alors. Allez, viens, on y go. Là. Ah, c'est que là. Faut que ça descende un peu. De quoi? Faut que ça descende l'alcool un peu. Ouais, ça va, on n'a pas trop bu. Non. Je te fais découvrir les bars lyonnais. C'est ça. Bah, c'est bien, c'est bien. Oh. Parce que Ninkasi est un peu chou. Ninkasi, c'est là où on vend la bière et tout. Ouais. Il y a plein de bières. Vraiment souvent. Ouais. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Allô les amis, c'était super cool parce qu'en fait on venait juste de commander la bouteille de vin et il y avait la serveuse qui emmenait tout de suite la bouteille de vin. Comment ça se fait? Ben parce qu'elle avait le vent. Enfin genre j'avais dit un quart de vin, le gars il avait emmené le vent et elle en est tout de suite. Ouais. Efficace. Il fallait descendre à l'escalier et là il y avait quand même grave du monde. Bon bah santé mon frère. Santé. Voilà. Ah il est bon hein. Mais toi, moi j'aime. Il y a beaucoup de goût. Tu l'aimes bien? Ouais, moi j'aime bien. Ah ouais. Là tu sens la différence. Ouais il est excellent hein. Il est excellent. Alors les amis, pour commencer, pour moi cette terrine de foie gras, ça a l'air super bon avec du pain, de la salade et du foie gras juste ici. Et pour mon frère, gâteau de foie de volaille. Gâteau de foie de volaille. C'est bien ça. Miam miam, bon appétit. Bon appétit.
beaucoup. Bon appétit. Merci. Oh my god, Sonny, c'est ça la tête de veau? Ouais. Ah ouais. Comment? On goûtera ça. C'est bizarre. Moi, c'est pire, gars. Ah, mais ça ressemble bien à des rats. On avait dit, c'est qui des rats de veau? Ça ressemble à ça. En fait, les amis, les rognons, c'est quoi? Le rat? Les rats. Ah, c'est les rats. En fait, les amis, les rognons, c'est les rats. Vous savez, c'est quoi les rats? C'est les haricots rouges là qui sont dans notre dos. D'accord. Oui, ils ont une bonne tête là. Comment? Ils ont une bonne tête donc. C'est-à-dire? Ben, normalement ils sont plus. Je pense parce que la cuisson est à point, mais normalement ils sont bien juteux, rouges, ouais. Rosés. Non mais regarde, regardez-moi ça les amis. Et je vais manger ça. Oh là là. Ah, en tout cas, je voulais vous dire que l'entrée était juste excellente. Excellente. Personnellement, j'avais des préjugés sur le gâteau de volaille. Mais il est excellent. Il est excellent. C'est pas sur la terrine de foie gras, bah, c'était juste incroyable. Franchement, les goûts étaient intéressants, super cool. Et là, du coup, les foies de volaille, ça me fait un peu peur. C'est ça, foie de volaille? Non. Rognon de veau. Rognon de veau. Ouais, c'est des rognons de veau. Ça me fait un peu peur, mais on va tester. Alors c'est quoi Tsunen, c'est le museau? Ouais, du coup c'est la truffe. Ah, non, on peut pas dire truffe, hein, c'est pas faux. Oui, c'est bien le museau. Ça c'est les dissections à l'idée. Alors comment je découvre ça? Ah, il y a quelqu'un. Alors c'est du rognon. Alors les amis, je viens tout juste de goûter le rognon de veau là. Il est juste incroyable. Incroyable. Hein? Ouais, c'est en fait la sauce elle est juste sublime. Le rognon de veau incroyable. Le gratin de pommes de terre. Truc de fou. Franchement truc de fou. Avec un petit verre de vin. Mmh. Rien n'a dit là. Wow. Un petit café gourmand pour mon frère. Un petit moelleux. Au chocolat, c'est ça? Ouais, ouais, au chocolat. Que, donc, bon appétit. Voilà les amis, on vient tout juste de sortir du restaurant. Il est actuellement minuit du soir. Je sais pas, Tsunin, il est en train de faire quoi? C'est quoi, Tsunin? Pas Harry les Grenadines. Pas Harry les Grenadines. C'est quoi ça? Ah, c'est des vrais? Je sais pas. On peut manger ou pas? On verra. Ouais, on va manger ça. Super. Ouais. Donc là, on va rentrer à pied. Ben, comme vous le savez très bien, à minuit, tout est fermé. Enfin non, pas tout est fermé, mais je veux dire que les métros sont fermés. Et puis là, derrière moi, vous avez une magnifique lune, juste incroyable. Voilà. Et là, on est actuellement à la place Bellecour, où là, en fait, il y a une grosse... il y a un statue avec un cheval dessus. Et je me dis quoi? Ouais, donc c'est une grande place tout par là. Donc voilà, je me mets à l'endroit pour que vous puissiez voir mon petit frère. Oui. L'entrée était juste incroyable. Le plat c'était délicieux et le dessert ça va, ça va. Ouais, ça passe. On peut, voilà, on peut mieux faire. Donc là on est tous seuls sur la grande place et on va rentrer. Je pense que je vous retrouve sur le lit. Voilà les amis, nous sommes rentrés. Il y a mon frère qui est en train de prendre sa douche. Je viens tout juste de vous poster une photo sur Instagram. Donc n'hésitez pas d'aller liker et me laisser un petit commentaire. Je vous ai également mis un nouveau TikTok avec mon petit frère. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la famille TikToker. Donc ça me fait super plaisir. Merci pour tout votre soutien. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas encore été voir. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mon petit frère, il est super content de cette soirée. Je lui ai fait visiter beaucoup de choses, faire découvrir en fait des nouveaux plats qu'il n'avait jamais testé en fait. Ça me fait super plaisir de partager ça avec lui et aussi avec vous. Merci du fond du cœur pour tout votre soutien. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager cette vidéo là, voilà, pour faire découvrir la ville de Lyon le soir. En tout cas, on est prêt pour
de nouvelles aventures. Je vais vous partager très très bientôt un nouveau voyage avec mon petit frère. Il va m'accompagner. D'ailleurs, je vais vous faire la surprise. Il n'est pas encore au courant, mais je vais lui dire du coup la semaine qui va arriver, qui va m'accompagner en fait dans ce nouveau voyage là. Je compte sur vous de nous encourager à fond. Et puis je vous fais de très gros bisous. Merci encore du fort du cœur pour tout votre soutien. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, les amis, prenez soin de vous. Maruru, Nana, et à bientôt. Ciao, ciao. Merci, les amis. Je vous aime très, très fort. Et puis, on se retrouve très, très, très bientôt. Et puis, bisous, bisous. Allez, ciao.